Alors, là ça vient de sonner à la maison et je sais que c'est ma livreuse Amazon. J'ai trop hâte de lui remettre son petit panier gourmand, je vais allumer la lumière. Et puis je vais vous filmer sa réaction parce que ça va être trop chouette. Bonjour. Merci beaucoup. Et, voilà. Et je voulais vous remercier aussi pour tout le travail que vous faites au quotidien. Merci, c'est gentil. On vous a préparé un joli panier gourmand. C'est super gentil. J'espère que vos journées se passent pas trop difficilement en non, ce moment. Non, ça va. Quand on a des clients comme vous, c'est parfait. C'est adorable. Vous n'avez pas trop de travail? Non, ça va. Bah, après, c'est une fois qu'il y a toutes les informations sur l'application, tout se passe bien. Alors, à l'intérieur, on vous a mis des petits plaisirs en chocolat. Ah là, c'est super. Bah, vous voulez voir? Non, nous, on les a vus déjà. Vous et il y a même un dessin de ma grande pour vous. Oh là, c'est toi qui l'as fait? Bah, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Et bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà, je suis contente d'avoir pu faire ce cadeau à ma livreuse parce que c'est vrai que ils ont quand même beaucoup de travail en ce moment. C'est trop chouette de pouvoir les encourager comme ça dans leur journée. Hein? Qu'est-ce que t'en dis toi? Oui, 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 oui. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est donc mercredi 23 décembre. Waouh, la pression monte d'un cran. Noël. Demain soir, c'est le réveillon de Noël. Mais surtout, j'ai un gros souci. J'ai une partie des cadeaux qui a disparu. Et ce sont une partie de ceux pour Rachel. C'est une commande que j'avais faite. Je sais même plus comment il s'appelle le site. Je suis deg. J'ai cherché partout. Partout. J'ai un peu peur qu'on les ait balancés parce que c'était dans les cartons. Mais j'arrive pas à y croire en fait. J'arrive pas à y croire. Dedans, il y avait des fringues pour la poupée qu'elle va avoir. Enfin, une fringue pour la poupée qu'elle va avoir. Il y avait un ensemble trop chou avec un bavoir, un biberon, une cuillère, un truc. Et je crois qu'il y avait d'autres choses, mais j'arrive même plus à me souvenir en fait. Maman, faut que j'aille voir. Et ce matin, on est reparti dans une activité. Mais on ferme les boucles. Alors, on est reparti dans une activité coiffeur. Oui, boucle. Est-ce que c'est ça que tu veux faire comme métier quand tu seras plus grande? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je prends quoi? Je prends ça? Oui, par exemple. Tu prends une mèche et tu l'enroules autour. Ouais, non, tu ne seras pas coiffeuse. On sent que tu n'as pas le don. Regarde. Je viens de passer la matinée à ne pas faire ce que j'ai à faire, mais à chercher une partie des cadeaux manquants. Je ne les trouvais pas, là j'avais envie de pleurer parce que c'était quand même une commande assez chère. Eliora, tu peux remettre la poussette s'il te plaît? Non. Chérie, descends s'il te plaît. C'est hyper dangereux. On ne fait pas comme ça. Oh là là, ces enfants, je vous jure. Et j'avais envie mais de pleurer. Et en fait, Eliora d'un coup, elle s'est rappelée. Elle me dit, mais maman, c'est pas dans un carton. C'est dans un sac, rappelle-toi. Et là, bam, éclair de génie. Je les ai retrouvés. Et je les cherche depuis ce matin, 9h. Et là, il est 11h. Ah bah en plus, elle a tout retrouvé là, Eliora. Bon, j'ai encore 100 000 choses à faire. Mais quand même, je voulais vous montrer. J'ai perdu là pas mal de poids depuis qu'on a commencé le sport. J'ai perdu entre 5 et 6 kilos. Hop, du coup ça commence à bien se voir et je commence à vraiment mieux me... Enfin, je me sens mieux dans mes fringues, j'en ai une partie qui sont trop grandes. Quand je prends en 38 maintenant c'est trop grand. Donc je suis assez fière de moi et je voulais partager ce moment avec vous, voilà tout simplement. Et j'ai encore tout plein de choses à ranger. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'arraches les décorations toi? Tu penses que c'est une bonne idée? Tu me donnes? Oh merci. Regardez-moi ce beau sweat de Noël. Il vient de chez Primark. Elle est trop mignonne comme ça, j'adore. Ce midi, Eliora m'a demandé à manger dans la cuisine. Donc j'ai les deux poupées qui mangent dans la cuisine. Ça m'arrange, ça va m'éviter d'avoir à nettoyer la table. Bon, moi par contre, je m'en suis déjà foutue un peu partout là. Mais c'est pas grave. Ça va? T'es bien dans la cuisine? Oui, mais le problème c'est que je peux même pas filmer avec mon vlog. Ouais, faut qu'on vide la carte SD. Bah on le fera cet après. On te fera de la place dans la carte SD. Je veux vraiment. Oui, on va le faire. Mais pas cet après-midi. Bah alors, après manger. Non, je veux. Juste maintenant. C'est maintenant que je veux filmer. Ouais, mais là j'ai pas le temps. Si. Viens.
Bon, maman est arrivée, on va aller faire quelques courses. Je suis un peu habillée à l'arrache, mais elle m'a coiffée. Ma maman, elle m'a fait une petite tresse collée. C'est ma tenue de combat parce que cet après-midi, ça va être de la, toute la préparation. En fait, je vais terminer l'appartement, commencer la déco, poser la table et voilà. Et après. Moi, c'est la cuisine que je dois faire. Toi, tu dois faire la cuisine? Ah oui. Moi, la cuisine, c'est demain. Ah ben non, parce que moi, la bûche, hein, j'ai commencé la bûche de demain. Oui, t'as commencé et déjà. Donc, je commence et je fais la bûche. Bon, bah, allez. On passera chez Picard. On va chercher pourquoi prendre des cerises. Ah oui, c'est vrai. Et Liora, t'es prête? Elle a trop chaud, elle va avoir trop chaud ta soeur. Et Liora, c'est toujours la dernière, la plus longue, j'en peux plus. Bon, je viens de rentrer, j'ai laissé maman et il y aura fini les courses. Moi j'ai pris Rachel, elle dormait et on a tout fait en courant au pas de course et tout. Faut que je vous raconte une histoire. Donc j'ai eu mon iWatch, je suis très contente de mon iWatch. Et il y en a une qui est encore plus contente de l'iWatch que moi, c'est Eliora. Genre elle est obsédée par ce truc. Et je savais qu'il y avait une espèce de petite montre un peu connectée dans le même délire pour enfants qui existait genre chez VTech. Et je suis allée lui chercher. Seulement... elle est tellement sur les nerfs en ce moment, elle est tellement difficile que je la garde de côté, je lui dis pas. Je pense que je lui donnerai à Noël ou peut-être au Nouvel An. Ça va dépendre de plein de choses. C'est tellement compliqué. Alors je veux pas faire le chantage au cadeau, mais on va plutôt mettre une carotte en disant si tu te comportes bien, si tu ranges ta chambre, si tu respectes les règles, eh bien tu auras ta montre connectée. Parce qu'elle est vraiment obsédée par ce truc là, c'est dingue. Je ne pensais pas une seule seconde qu'elle allait s'y intéresser. Mais alors vraiment pas une seule seconde. Et en fait elle a qu'une obsession, c'est tous les jours, 1000 fois par jour, elle me dit maman s'il te plaît je peux avoir une main connectée. Je lui dis écoute c'est pas avant 12 ans ces trucs là, c'est vraiment pour les grands. Et en fait je me suis rappelé qu'il y en avait une pour les enfants. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Si elle aura à Noël ou au Nouvel An, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, il y a un enfant qui est en train d'essayer de me mettre ses doigts dans la bouche. Ah, voilà. Alors, Eliora, qu'est-ce qu'on va faire? Des fruits déguisés. Elle est partie se laver les mains. J'ai prévu de quoi faire des fruits déguisés à la maison. Je vais rajouter un petit peu de luminosité quand même là. Et du coup, je vais lui faire faire ceux à la noix parce que c'est plus facile. Et déjà, on va faire ceux à la noix parce que les autres, c'est des fruits type des pruneaux. J'ai pris aussi avec des noix de pécan, je me dis que j'allais essayer. J'ai pris des belles dattes comme ça, j'ai pris des dattes fraîches aussi, mais je vais les mettre sans pâte d'amande. Ça, je vais les mettre. Non, on va se faire un joli plateau un peu. Et des abricots secs. Et j'ai pris des Raffaello aussi pour mettre avec parce que j'aime trop ça. Moi aussi, j'adore. Et ben voilà. Donc, du coup, je vais t'expliquer comment on fait. En fait. Alors, en gros, il faut couper un petit bout de pâte d'amande, faire une boule avec. Prendre deux noix et mettre la boule entre les deux noix. Est-ce que tu penses que tu vas être capable de faire ça? Oui. Oui. C'est quand même un petit peu dur pour fixer. Non, tu vas voir, c'est pas dur. Je vais te montrer. Alors, comment tu penses que tu vas faire? Bah, je pense que je vais d'abord commencer par celle-là, mais j'ai pas tout à fait bien ouvert. Je vais faire moi. Voilà le bout que j'ai ouvert. Tiens, les amandes, c'est le truc que tu vas prendre en dernier, chérie. Moi, je t'ouvre une pâte d'amande. Je t'ai pris ton couteau à toi. Merci. C'est ton couteau qui coupe pas les doigts. Oui, oui. Moi, j'ouvre ça. Et toi? Et toi, tu vas. Je te montre. Mais ça, c'est un couteau. Où on l'a trouvé? Il vient de chez French Flair. Il vient de chez French Flair. Alors, hop. Hop, regarde, tu prends ton couteau. Ah, attends, je te fais une fois, comme ça, tu vas pouvoir le faire. Mais tu vas le faire après. Tu prends, tu coupes à peu près ça. Et avec ça, tu fais une boule comme si c'était de la pâte à modeler. Mais non, j'ai tout là. Tu fais comme si c'était ça, de la pâte à modeler. Vas-y. Ah, allez, vas-y. C'est dur. C'est difficile. Ah oh non! Il faut pas faire tomber la pâte d'amande par terre. Mais attends, il y en a même un peu trop, je pense. Tu peux faire la moitié. Voilà. Alors, tu veux voir, c'est une boule? Pas trop. Bon. Oui, j'ai... Regarde, là c'est une boule. Tu prends deux morceaux, un deuxième, comme ça, un autre. Et tu mets. Regarde. Oh, hop, et t'écrases. Vas-y avec l'autre, par-dessus. Écrase et je vais écraser. Et t'écrases. De la même côté. Voilà.
Voilà, super. Voilà. Non, mais stop, pas trop. Là, t'es un peu trop écrasé, c'est pas très joli du coup. Faut mieux que ce soit moins écrasé. Oui, et voilà. Macarons. Et voilà. Et tu poses dans l'assiette. Tu peux en faire quelques-uns comme ça. Après, je te donnerai autre chose que des noix. Vas-y. Je te regarde faire mon petit lutin de Noël. Pas dire la vérité. Il y a peut-être des enfants qui regardent. Ah oui. Eliora ne croit pas au Père Noël. Elle n'a jamais cru au Père Noël. Et je savais plus au début. Ouais, elle m'a avoué qu'elle n'avait jamais cru au Père Noël et je sais qu'elle n'a jamais cru au Père Noël vu qu'elle me regardait toujours comme une teubée quand je lui parlais du Père Noël. Donc il n'y a pas de Père Noël ici, mais il y a quoi? La magie de Noël quand même. La magie de Noël, c'est toi, je te connais à chaque fois. Ça fait. Nouvelle technique pour aller plus vite, on découpe les boules de pâte d'amande d'abord. Je vais l'aider là parce que sinon, dans une semaine, on les a pas terminées encore. Hein. Bah en fait, on coupe. Donc, c'est normal que j'ai fait 1, 2, oui. 3, 4. Oui, exactement. Oh, j'ai coupé du monde même sens. Et voilà notre magnifique plateau de fruits déguisés. Alors, c'était comment de faire des fruits déguisés? Trop bien! Bon, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure parce que j'étais en train. T'as pas pris tes gâteaux? Oui. Bah, vas-y. J'étais en train de commencer la déco et du coup je vous tourne un reels pour cette déco. Et regardez-moi ça, là je vous montre de loin mais c'est la déco de ma table de Noël. De toute façon, vous verrez le vlog avant. Mais je vais tout vous montrer en détail et je vais faire la table tôt demain matin pour faire un réel demain. Mais je trouve ça trop beau, trop beau. Là vous voyez rien du tout. Ça rend rien du tout, ça rendra mieux dans le réel. Voilà, faudra aller voir. Ce soir, on a un truc en famille, c'est-à-dire Loïs, Eliora, Rachel et moi, on a une réunion de famille tous les 4 à 18h. Donc on le fait ça de temps en temps. J'en parle jamais, mais on fait ça de temps en temps. Du coup, je vais pas énormément vlogger, je pense, ce soir. Là, je vais déjà ranger ma table, checker les filles et voir ce que je vais leur préparer à manger aussi pour le dîner. Bon, on a mangé, Rachel dort, moi je suis en train de finir de manger, mais je fais une pause pour aller raconter son histoire à Eliora. T'as choisi quoi comme histoire? La plus moche des licornes. La plus moche licorne du monde. C'est quoi ce livre? Bon alors, ça y est, tout le monde est au lit, je vais pouvoir finir de manger et travailler. Je poste l'avant-dernier concours du calendrier de l'Avent sur Insta. Je suis trop contente d'avoir fait ça pour vous, maintenant je vous avoue que ça m'a rajouté. Mais une tonne de taf. Mais bon, c'est pas grave, on kiffe travailler. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.